Dear parents of our lovely students, dear teachers, dear students in class of 3e from 4, welcome to this program, Révisons Ensemble. This program, Révisons Ensemble, gives you the opportunity to learn things in order to prepare your exam. So, my name is Afe Komi Estilo. I am an English, French, and AV teacher. I am here this afternoon or this evening to help you in English. So today in our program, first of all, we are going to talk about the presentation of an English paper, CBL version. And the second part of the program, we are going to correct an English paper here together. So without wasting any time, we are going to start. But first, I will come back in French for people who didn't listen or didn't follow me very well in English. Okay? Donc je disais donc je suis le professeur d'anglais, Monsieur Afe Komi Estilo, et je suis là dans le cadre de l'émission Révisons Ensemble. Et ce soir, nous avons des choses à faire. Premièrement, nous allons vous présenter, ok, l'épreuve d'anglais selon la version APC. Et deuxièmement, nous allons corriger ensemble, traiter ensemble une épreuve d'anglais. Version APC, bien sûr. Donc, nous invitons tous les élèves à venir nous suivre, les élèves en classe de 3e surtout. Et comme l'anglais est la même chose partout, je vous invite les élèves de la classe de première aussi, de terminale aussi, à me suivre. Alors, la grande question que vous vous posez, bien sûr, c'est comment est-ce que l'épreuve d'anglais est présentée selon la version APC? Comment faire pour réussir une épreuve d'anglais? Quelles sont les questions qu'on pose et quelles sont les réponses qu'on doit donner à ces questions-là pour avoir les points? Donc, vous serez satisfait, ok, ce soir dans cette émission. Donc, we start with the first plan. Presentation of an English paper CBL version. That is an English paper. À la deuxième, dans la deuxième partie de l'émission, on va vous montrer quand même un exemple d'une épreuve d'anglais version APC que nous allons traiter ensemble. Alors, comment se présente l'épreuve version APC? Comme nous le savons, cher pour ceux d'anglais qui interviennent déjà dans les classes d'examen, l'épreuve est la même partout. L'épreuve d'anglais comporte quatre grandes parties, ok, four main parts, ok. Alors, la version APC maintenant a réduit ça en trois grandes parties. Voilà. Donc, la première partie, c'est le reading comprehension. Deuxième partie, linguistic competence. Et la troisième et dernière partie, c'est writing. Donc, si nous prenons la première partie qui est reading comprehension, on nous donne 6 points là-bas. Et les 6 points vont équivaloir à 6 questions que nous allons répondre. La deuxième partie, linguistic competence, comporte 6 points également. Et là-bas, il y a deux parties. Ok, dans cette grande partie, il y a part 1, vocabulary, and part 2, grammar. C'est-à-dire, il y a le vocabulaire et la grammaire. Vocabulary, combien de points? 3 points. Grammar aussi, combien de points? 3 points également. Donc, les deux, ça fait combien? 6 points. La dernière partie maintenant, c'est writing, là où on écrit. Là-bas, maintenant, on a donné 8 points. Avant, c'était 6 points. Maintenant, la version APC, c'est devenu 8 points. Et là-bas, pour noter les 8 points-là, on nous donne 4 critères qui sont les suivants. Relevance, ok, qui a 3 points. Coherence, qui a relevance plutôt, qui a 2,5 points. Coherence, qui a 2,5 points également. Accuracy, qui a 2 points. Et originality, qui a 1 point. Donc, voilà un peu la présentation de cette partie, la partie écrite. Alors, comment se composent les questions et comment nous allons répondre à ces questions? So, we have to know that we have 6 questions that are required and this from simple to complex. For example, nous avons 6 questions et les questions commencent de plus simple au plus compliqué. Donc, on commence avec des questions très faciles et les réponses aussi sont très faciles à trouver. Les réponses se trouvent dans le test. C'est pourquoi on a dit reading comprehension. Reading veut dire lire, lecture et compréhension. Il faut lire le test, c'est comme une épreuve de type de test de nos amis du cours primaire qui sont en classe de CM2. On les soumet une épreuve, vous lisez l'épreuve et après vous répondez aux questions. C'est la même chose en anglais aussi. Donc la première partie, reading comprehension, il y a 6 questions que nous allons lire et répondre. Alors, première question, les true or false questions.
les questions de true or false. Nous tous on se rappelle de cette histoire de true or false. Ça dit vrai ou faux. Après avoir lu donc le test, on vous pose une question. Et si tu as bien compris, ça c'est pour tester la compréhension. Si tu as bien compris le test, lorsque c'est vrai ce qu'on dit, tu dis quoi? Tout. Et lorsque c'est pas vrai, ou bien tu vois qu'il y a des négations, c'est pas assez vrai, tu dis quoi? False. Deuxième type de question, MCQ. MCQ, c'est choice of secret type, main character, main idea, author, venue, etc. Ça, c'est les questions qu'on appelle en français QCM. Les questions où on te propose plusieurs réponses et tu choisis la bonne. Ici aussi, on peut te demander de proposer un titre. Après avoir lu un test, on te demande de proposer un titre à ce test. Donc, quand tu lis le test parle de football, on dit de proposer un titre. Naturellement, tu vas parler de quoi? Football ou bien un spectacle, un jeu, quelque chose qui se rapporte quand même au football. Main character, on peut te demander main character. Character, c'est le personnage, un personnage de test. On peut te demander quel est le personnage que tu aimes plus dans ce test. Main idea, on peut te demander quelle est l'idée principale qui est véhiculée dans le test. Donc, ces questions se rapportent toujours au titre du test. The author, on peut te demander aussi who is the author of this test. Ça veut dire qui est l'auteur de ce test. Et quand on voit un test en bas, il y a toujours quoi? Le nom de l'auteur et surtout le nom de l'œuvre. Donc lorsque on te demande ces questions, c'est la question où tu peux retrouver les réponses facilement où? Dans le test. Ok? Donc voilà les deuxième type de questions MCQ. Troisième type de questions maintenant, yes or no questions. Hein? Les questions de oui ou non. Donc ici, l'anglais est tellement facile que, c'est-à-dire, on te pose la question, tu dis yes seulement, tu as combien? Un point. Ou bien tu dis no et tu as un point. On teste toujours ta compréhension du test. Donc on pose la question, si c'est vrai ce qu'on dit, c'est comme trois forces. Mais ici on ne dit pas tout, on dit yes. On a dit yes or no question. Si c'est vrai, on dit yes. Si c'est pas vrai, on dit quoi? No. Et puis tu prends les points. Voilà. On continue avec les questions. Sentence completion. Hein? Ici, on te demande de compléter un test. C'est comme copier-coller. C'est-à-dire, tu lis le test, eux-mêmes ils vont commencer un test, ils vont commencer une phrase, ils arrêtent à quelque part, ils mettent les pointillés. Qu'est-ce que tu fais? Tu revois le test, tu prends la partie où ils ont entendu, tu repars un peu quand même pour voir que la partie où ils ont pris cette phrase, tu dois savoir. Donc, en lisant, toi tu fais quoi? Tu complètes. Voilà. Là où ils ont mis les pointillés, toi tu complètes seulement. Et puis tu as combien de points? Un point gratuitement. Une autre type de question, sentence correction. Hein, comme on l'entend, c'est la correction de quoi? De phrase. Ils vont recopier le test, ils vont mettre une erreur dedans. Bon, sciemment, hein, ils mettent un mot, peut-être un mot étrange dedans. À toi de savoir que le mot-là n'existe pas dans le test. Ou bien le mot-là, c'est le contraire de ce qu'on dit. Tu enlèves le mot-là simplement et puis tu as combien de points? Un point gratuitement là-bas aussi. Opinion questions, les questions d'opinion. Là-bas, tu dois réfléchir. Parce que c'est les questions où tu vas de l'imagination. Tu réfléchis avant de donner la réponse. Ça, nécessairement, ce n'est pas dans le test. Ce n'est pas toutes ces questions-là. Les réponses de ces questions souvent ne se trouvent pas dans le test. C'est ce qu'on appelle souvent dans le jargon. Bon, quand on utilisait l'ancienne épreuve pour les élèves de CM2, questions de l'imagination. Donc on imagine un peu et puis voilà, et on trouve. Et cette question souvent reste à la fin. C'est souvent la sixième ou bien la cinquième question qu'on pose. Maintenant, la dernière question, c'est WH questions or H questions. Les questions qui commencent par WH. Les questions qu'on pose en commençant par les mots qui commencent par WH. Et là-bas, on peut voir les questions comme who, where, why, ainsi de suite. Voilà. Ou bien how. Donc, ce type de questions maintenant, il faut aussi donner une raison. Parce que c'est les questions indirectes. Okay? En anglais, il y a deux types de questions. Il y a les questions directes et les questions indirectes. Direct and indirect questions. Les questions directes, c'est ce qu'on appelle encore les yes or no questions. On te pose la question, tu comprends, tu dis quoi? Yes. Voilà, ça c'est une question directe. Par exemple, do you love me? C'est un exemple. Hein? Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu dis quoi? Yes. Mais si tu ne m'aimes pas, tu dis quoi? No. Donc c'est les questions directes. Mais WH questions, ce n'est pas la question directe, c'est la question indirecte. Parce que là, tu ne peux pas répondre directement. Par exemple, why do you come to school? Pourquoi viens-tu à l'école? Tu as dit yes là-bas. Si tu dis yes, c'est que tu as mal compris la question. Pourquoi viens-tu à l'école? Donc, tu dois donner une raison. Je viens à l'école parce que, voilà. Donc,
Si on dit why, tu dois dire because. Who, tu dois donner une réponse en faisant une fois obligatoirement. Mais pour les yes or no questions, les questions directes, là, tu n'as pas besoin de donner une réponse ou bien de donner une phrase pour justifier. Ça, c'est direct, direct. Mais les WH questions, c'est les questions où tu as besoin de faire quoi? De donner une réponse. Voilà. Donc, voilà la première partie, les six questions. Donc, les questions de true or false, les MCQ, les yes or no questions, les sentence completion, les sentence correction, les opinion questions, les WH questions et les HR questions. Et ça, c'est la première partie de l'épreuve d'anglais, version APC. Maintenant, la deuxième partie de l'épreuve d'anglais, c'est intitulé Linguistic Competence. Linguistic Competence, si on le traduit ça en français, on peut dire compétence linguistique. Donc ici, on veut savoir si l'enfant maîtrise la langue anglaise. On veut savoir si l'enfant maîtrise le vocabulaire. On veut savoir si l'enfant maîtrise la grammaire. Et comme je l'avais dit plus tôt, nous avons deux parties ici. Première partie, part A, vocabulaire. Et deuxième partie, grammaire. Vocabulaire, c'est le vocabulaire. C'est noté sur trois points. Qu'est-ce qu'on te demande ici? Oui, il y a les questions qui comportent Martin Words. Et on peut te demander des synonymes, antonymes, définitions, etc. On peut te demander de donner les synonymes des mots. On te donne un mot, on te demande de chercher le synonyme. Ou bien antonyme, c'est le contraire des mots. Définition, on peut te demander de définir les mots ici. Voilà. Ça, c'est la première et phase. Gap filling. Hein, les filling gaps, ça dit qu'on fait des phrases avec des trous. Et tu dois lire, comme tu as suivi bien le cours, tu dois imaginer le mot qui doit rester là-bas, selon le thème que vous êtes en train de faire. Et tu remplis, ok, les gaps, les pointillés. Word derivation, hein, les mots dérivés. Noun, adjective, adverb, verb, etc. Ou bien, so and so forth. Donc ici, on peut te demander de dériver, ok, un nom d'un adjectif, ou bien de choisir ou de sortir d'un adjectif un verbe ou bien d'un verbe un adjectif. Par exemple, on peut te demander beautiful, de donner le nom de beautiful, le nom qui vient de beautiful. Hein? Le nom qui vient de beautiful, c'est quoi? Beauty. Voilà. Maintenant, l'adverbe qui vient de beautiful, c'est quoi? Beautifully. Très bien. Donc, voilà un exemple de cette phase. Word derivation. Il y a aussi gender opposites, le genre. Et ici, on va te demander de trouver le masculin ou bien le féminin des noms. Par exemple, on dit man. Man, on te demande de donner le féminin du man. Féminin du man, c'est quoi? Woman. Voilà. Boy. Féminin du boy, c'est quoi? Girl. Ok. On peut demander de donner aussi les masculins de certains noms. Par exemple, queen, 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 c'est la reine. On te demande le masculin de queen. Ok, masculin de queen, c'est quoi? King, le roi. Donc, voilà quelques exemples de cette partie. Il y a aussi old man out. Et ici, certains élèves ne comprennent pas. Old man out, ou bien word correction. Old man out, c'est quoi? Le mot intrus. On te cite quatre mots. Et parmi les quatre mots-là, on va mettre sciemment quoi? Un mot intrus. Un mot qui n'a pas sa place là-bas. Donc, à toi de voir, d'analyser tous les quatre mots-là, et tu fais sortir quoi? Le mot qui n'a pas sa place là-bas. Par exemple, on peut te donner football, referee, market, jersey. Voilà les quatre mots-là. Football, ok, referee, market, jersey. Là-bas, quel est le mot qui n'a pas sa place? Football, ça c'est le football. Ça se rapporte au football, le ballon. Refili, c'est l'arbitre. Ça se réfère toujours quoi? Au ballon. Market, le marché. Est-ce que le marché aussi se réfère au ballon? Ah. Maintenant, le dernier, jersey, maillot. Pour jouer, on a besoin de porter quoi? Le maillot. Donc, là-bas, quel est le mot qui n'a pas sa place? Si on prend le 4, naturellement, c'est quoi? Market. Voilà. Donc, tu fais sortir le mot là, et puis on te donne le point. C'est ça qui est le old man out. C'est le mot étrange, le mot inclus, le mot qui n'a pas sa place là-bas. Tu le fais sortir et puis tu as le point. On continue toujours. Word correction. On écrit mal un mot. On te demande de faire quoi? D'écrire le mot correct. Donc tu vas surtout voir le mot là en vocabulaire, au cours. Tu dois voir le mot là. Vous devez l'étudier. Tu dois connaître le mot là. Si tu aimes la lecture aussi, tu dois pouvoir rencontrer le mot là quelque part.
et on te demande encore de faire quoi? De faire sortir ou bien d'arranger le mot là qui est mal écrit. Donc c'est très simple à faire. Scramble letters. Find the missing letters from the words. Ici, on t'écrit un mot et on enlève un mot, on enlève une lettre de ce mot-là. À toi de faire quoi? De trouver la lettre qui a été, okay, qui a été séparée. Et tu trouves, si tu as suivi bien le coup, vraiment, tu dois aussi rapidement trouver cette lettre-là. Categorization. Donc, voilà les différentes parties de la partie du vocabulaire. Je rappelle que c'est noté sur combien de points? 3 points. Partie B maintenant, c'est grammaire. Également 3 points. Au niveau de la grammaire, qu'est-ce que tu demandes? Il y a aussi MCQ ici. Ça veut dire que les questions à choix multiple. Ici aussi, il y a adverbe, adjectif, verbe. Okay? Tout ce qui se rapporte à la grammaire. Parce que lorsqu'on fait un thème, il y a toujours la partie vocabulaire et il y a toujours la partie grammaire. C'est toujours comme ça dans toutes les leçons. Il y a partie vocabulaire, partie grammaire. Donc ici, toutes les parties qui se rapportent à la grammaire, ça peut revenir. Tous les points grammaticaux peuvent revenir ici. Vous voyez un peu. Donc, tu dois apprendre tout ça avant d'aller pour t'examiner en anglais, en grammaire surtout. Forming plurals, c'est aussi un type d'exercice. On te demande de former le plural, le pluriel des mots. Par exemple, on peut te donner child. Child, qui est enfant. Child. Donc, toi, tu vas faire quoi? Tu vas chercher le pluriel de child, qui est quoi? Children. Children. Donc, le pluriel de child. On peut te demander de donner le pluriel de man. OK? Donc, on te demande de donner le pluriel de man, c'est quoi? Men. OK? Donc, voilà quelques exemples de cette partie. Correct preposition. Ici, on te fait une phrase et au niveau où on doit mettre la préposition, on enlève ça. OK? On enlève la préposition. Attends maintenant d'imaginer la position qui va rester là-bas et tu places ça. Par exemple, coffee is good, point English. Coffee is good, point English. Quel mot va rester là-bas? Quelle préposition va rester là-bas? Hein? On va dire, coffee is good at English. OK? Voilà. Coffee is good at English. Ouais. Donc, il y a correct, OK? Tense of the verb. Ici, c'est la partie où les élèves fuient parce qu'ils ne maîtrisent pas le temps. Okay? Ici, maintenant, tu dois maîtriser le temps. Tu dois pouvoir conjuguer tous les verbes à tous les temps en anglais. Okay? Present, past, conditional, tout ça. Et par la grâce de Dieu, nous serons ici pour vous aider avec le temps. On va reprendre le temps ici de simple present jusqu'à tous les temps de l'anglais. On va les initier, on va les étudier ensemble pour vous permettre d'être aguerri pour les années. Correct form of the verb, gérant, infinitif, adjectif. Ici aussi les formes de verbe, ok? Et les formes de verbe, c'est un verbe qui peut-être qui doit être à l'infinitif, ou bien un verbe qui doit être au gérant forme. À toi de savoir. Donc on va faire tout ça ici. Donc il y a deux types il y a le temps et la forme. C'est deux choses différentes. Hein? Le temps, ok, d'un verbe et la forme du verbe. Voilà, on demande tout ça. Sentence transformation. On peut lui demander aussi de transformer des phrases ici. Et là-bas, on peut avoir les points grammaticaux comme reporter speech. Là, on fait une phrase et on te demande de reporter. Ouais, non. Reporter speech. Tu reportes. Il y a aussi active passive voice. Ok. La voix passive, la voix active. Tout ceci se trouve en français aussi également. Hein? Donc, celui qui maîtrise le français, vous voyez qu'il maîtrise aussi quoi en même temps? L'anglais. Donc tout ça là, ça fait partie de la grammaire. C'est pas fini. Il y a gap filling aussi. Il faut remplir les trous ici aussi. Pour le gap filling, les mots souvent qu'on utilise, il y a says, for, ego, so, neither, to, although, can stand, etc. Donc voilà un peu les différentes parties de la grammaire. Maintenant, la dernière partie de l'épreuve d'anglais, version APC, c'est le writing. Writing, c'est quoi? To write, c'est écrit. Donc, là où on écrit, là où on fait rédaction, quoi. C'est-à-dire que là où on rédige. OK? Donc, ici, il y a beaucoup plus de points ici que dans les autres parties. Parce que cette seule partie a combien de points? 8 points, chers amis. 8 points. Combien de points tu as besoin d'avoir pour avoir la moyenne? C'est 10 seulement. Mais ici, seul, il y a 8 points.
Donc, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu as besoin de faire l'effort pour bien faire cette partie. Quand tu as les 8 points là, et tu te bats un peu au niveau de test, tu ne peux jamais avoir en bas de 10 en anglais, mon frère. Donc, il faut faire l'effort. Ici, seul, il y a 8 points. Il y a certains élèves qui fuient cette partie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est difficile à faire. Ils pensent que pour rédiger en anglais, c'est. Non, c'est assez très simple. Donc, ce soir, je vais vous aider avec l'épreuve qu'on va traiter. Vous allez voir que pour trouver les mots, même, il faut pas aller loin. C'est le mot, les mots que tu as déjà utilisé dans le cours. Ok, vous avez fait ça, il y a ça dans les livres, tout ça. Donc, c'est ça que tu vas utiliser pour faire le essai. Donc, ici, il faut faire attention aux critères de notation. Parce qu'il y a 4 critères. Relevance. C'est-à-dire, on va essayer ton devoir. Relève les éléments importants. Est-ce que ce qu'on t'a demandé de faire, c'est ça que tu fais? Cohérence. La cohérence. Est-ce que ton devoir est cohérent? Est-ce que tu as fait 3 parties? Parce que toi, on dit essai, rédaction, c'est combien de parties? C'est 3 parties. Est-ce que tu as fait les 3 parties? Ou bien tu as fait une partie? Ou bien tu as fait 4 parties? Si tu fais une partie ou bien 4 parties, là-bas, on te donne 0 sur ta fête. Tu as 0 là-bas. Tu n'as pas la moyenne. Mais si tu fais 3 parties, d'abord tu as des points là-bas. Maintenant, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que en lisant ton test, est-ce qu'on voit que vraiment tu as commencé là où il faut commencer? Tu as fait la suite et vers la fin. Parce que quand on prend une personne humaine, il y a 3 parties. Il y a la tête, le ventre et puis les pieds. Donc, est-ce que tu as commencé les pieds devant, le ventre après, mais comment? Donc, pour que ça soit cohérent, il faut que ça suive les 3 étapes. Après ça, il y a accuracy. Est-ce que ton langage que tu utilises, c'est correct? Est-ce que tu utilises un anglais adéquat? On va voir ça. Certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils commencent, c'est anglais, mais tu vas lire quoi seulement? Le français. D'autres, ils se croient malins, ils mélangent français-anglais. Et souvent, on dit ça pour rire qu'ils sont en train de faire du franglais. C'est-à-dire qu'ils font français un peu, anglais un peu. Non, il faut aller en anglais. L'anglais que tu as, c'est la meilleure. Il faut juste suivre. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Puis c'est fini. C'est pas aussi assez compliqué. Et maintenant, la pertinence. Ça, c'est un point. Est-ce que ton devoir est joli? On note aussi, vous voyez ça, cet aspect. Est-ce que ton devoir est joli? Quand tu écris comment? Un cadre? Mais quand on lit, on ne peut pas. C'est-à-dire, on a mis le temps à lire ce que tu écris. C'est grave, on ne peut pas te suivre. Mais quand tu écris lisiblement, et si c'est un point gratuit, hein, tu écris lisiblement, hein, tu écris très bien, lisiblement, très joli, tu as les 1 point là. Et puis ton devoir est original, ce n'est pas que tu as copié ça dans un livre. Tu n'as pas copié ça, c'est quelqu'un pour venir plaquer là-bas, on te donne ton point. C'est original, donc c'est pertinent. Donc, les 4 critères, je vous rappelle ça, très important. Il y a relevance, qui a 2,5 points. Il y a cohérence, la cohérence, qui a 2,5 points. Il y a accuracy, c'est-à-dire c'est ton langage est propre. 2 points là-bas, et maintenant il y a pertinence. Est-ce que c'est pertinent? Là-bas, c'est 1 point. Donc, voilà un peu, chers amis, la présentation d'une épreuve d'anglais, version APC. Donc, si tu me suis bien, tu vas voir là où tu vas faire pour avoir le point rapidement. C'est quelle partie? Le test, 6 points. Avec les questions simples, tu dis yes, tu prends un point, tu copies une phrase, tu complètes, tu as un point, tu as très facilement. Et maintenant, le essai, 8 points. Chers amis, si vous ne pouvez pas faire les 4 parties, les 3 parties, au moins les 2 parties là, le test et le essai, c'est très important. Et ne négligez pas surtout le vocabulaire et la grammaire. Parce que après quand même les années, il faut quand même parler bien l'anglais. Voilà. Donc on n'étudie pas pour oublier, chers amis. Donc voilà un peu la présentation. Ok, d'une épreuve d'anglais. Maintenant, nous allons traiter une épreuve ensemble. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on va revenir toujours pour voir est-ce que les parties dont on vient de parler, ça se retrouve sur l'épreuve qu'on va traiter tout à l'heure. Donc, avec la complicité de la régie, si on peut voir, ok, l'épreuve, très bien, merci à la régie. On va voir, on va lire le test, ok, et travailler ensemble. Donc, chers amis, chers parents, et aidez vos enfants à noter. Et à suivre vraiment et ce qu'on nous a fait tout à l'heure. Alors, le test fait partie de la première partie. Donc, reading comprehension. Nous allons le lire et il y a 6 questions. Donc, d'abord, on lit et après, on répond aux questions. Bon, chers amis,
prêtez attention, suivez la lecture. Test. My name is Zanga. I am 26 years old. I come from a small village in Nigeria. 2 years ago, I tried to reach the Canary Islands, but I was caught and deported back to Nigeria. Now, I am on my way to try again. My childhood in Nigeria was hard. My father died when my brother and I were still very young, and my mother didn't have a job. We were poor and she had to struggle every day to fend for all of us. I realized that if I wanted to escape poverty and improve my life for myself and my family, I had no choice. I had to leave Nigeria. Even if it meant leaving my home and my family, I had to find a job somewhere to be able to send money back today. I left in 2009 after I had traveled through Niger Republic, Libya, and Algeria. I finally reached Morocco. On my way, I found jobs wherever I could, in cafes, restaurants, or barber shop. I was caught by the police several times. One day, they beat my legs so badly that I couldn't work for almost a week. When a friend of mine told me about a man who could help us get to the Canary Islands, I agreed to join him on the journey. Saint Esther tellement triste, qui parle de quoi? Qui parle de l'emploi des jeunes, qui parle de l'immigration. Au manque d'emploi, notre ami du test, Sanga, est obligé de quitter son pays pour aller chercher mieux ailleurs. Donc voilà le test. Alors, qu'est-ce que je conseille à l'élève qui me suit? Tu lis le test là combien de fois? 3 fois. La première lecture, juste tu lis pour voir un peu, hein, tu analyses les mots dans la tête. Ça, c'est la première lecture. Deuxièmement, tu lis maintenant et tu lis la question. La deuxième lecture, tu lis la question en même temps pour voir est-ce que tu peux comprendre, tu peux mettre la relation entre les questions et le test. Troisièmement, maintenant, c'est la lecture maintenant silencieuse où tu lis vraiment et tu notes. Quand tu lis, tu as certains éléments qui viennent dans ta tête, tu notes en même temps. Très bien. Donc, après avoir lu ce test qui parle de la vie de notre ami Sanga, nous allons voir si nous comprenons le test à base des questions. Et comme j'ai dit, les questions, il y a les questions de vrai ou faux, true or false, les MCQ, les yes or no questions, les questions où on va compléter les phrases, les questions où on va corriger des phrases, les questions d'opinion, les questions où on doit donner une raison, ainsi de suite. Alors, la première question est la suivante. Number one. Sanga is an African. True or false? Sanga is an African. True or false? Si nous avons lu le test et nos auditeurs ou bien nos téléspectateurs à la maison ont vu le test, ont noté, on va comprendre que cette question, le nom là se trouve dans le test. Zanga. Ça se trouve dans le test, non? Mais on dit Zanga is an African. Ça veut dire quoi? Zanga est un Africain. True or false? Vrai ou faux? C'est une question aussi, ça. Alors on lit la première phrase pour voir si on peut trouver la réponse. My name is Zanga. I am 36 years old. I come from a small village in Nigeria. On s'arrête là. On a trouvé la réponse. My name is Zanga. I am 36 years old. I come from a small village in Nigeria. Ouais, non? Même ceux qui ne comprennent pas l'anglais vont comprendre cette partie. Je viens d'un petit village qui s'appelle quoi? De quelle ville? Du Nigeria. Maintenant, la question dit Zanga is an African. Zanga est un Africain. Vrai ou faux? On va dire vrai. Parce qu'il vient d'un pays, d'un petit village, de quoi? Du Nigeria. Donc le Nigeria, c'est un pays d'Afrique. Donc il est un Africain. Donc là-bas, on va dire tout. Et on prend le point. On ne dit plus rien. Tout seulement. Deuxième question. Number two. Is Zanga family a rich family? Is Zanga family a rich family? J'espère que vous comprenez. Est-ce que la famille de Zanga est une famille riche? Ah.
si on lit bien le texte, il dit quoi? Qu'il veut voyager, il veut aller, il veut tenter l'immigration pour aller chercher du boulot. Donc, si la famille est riche, est-ce qu'il va encore aller chercher le boulot? J'espère que non. Donc, là-bas, on va dire quoi? Non. On ne dit plus rien, on dit seulement non. Ils ont la famille, ils ont une riche famille, des enfants, non. Tu prends le point. Voilà, petit truc, tu prends le point. Troisième question. Choose from the proposals, the general idea of the test. On te demande de choisir selon les propositions qu'on va te donner bientôt, l'idée générale du test. C'est-à-dire, le test parle de quoi, quoi. Mais on te demande de choisir selon, on te propose déjà, gratuitement. A. Youth delinquency. B. Youth immigration. Donc, on te demande de choisir parmi les deux là, l'idée qui va plus au niveau du test. Le premier, c'est quoi? Youth delinquency, délinquance des jeunes. Et le deuxième, c'est youth immigration, l'immigration des jeunes. Qu'est-ce qu'on prend? Quelle idée va plus au niveau qui cadre avec le test ici? Je pense que c'est le B. You for immigration. J'ai envie de voir comment l'anglais est facile. Voilà. On continue. Number 4. Complete the sentence according to the test. Ah, de compléter. That's the sentence completion. De compléter. Ils ont recopié une partie du test. Ils se sont arrêtés. Maintenant, toi, tu fais quoi? Tu lis le test et puis tu fais copier-coller. Tu copies la partie où ils se sont arrêtés. Toi, tu complètes ici. Alors, on continue. I had to find a good job somewhere. Il s'arrête là. I had to find a good job somewhere. Maintenant, j'ai mis des pointiers. Point, 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 point. Maintenant, chers élèves, c'est à nous de compléter. On reprend le test seulement. Maintenant, on va voir là où ils ont commencé. I had to find a good job somewhere. Ah, voilà ça ici. Donc, je pense que la troisième, quatrième phase. Voilà ça ici. Alors, je reprends. I had to find a job somewhere. Voilà, c'est là-bas. On voit, non? C'est là-bas qu'ils se sont arrêtés. Maintenant, on complète. To be able to send money back to them. On s'arrête là. Ouais, on s'arrête là où ils ont pris, ils se sont arrêtés. Nous, maintenant, on continue. C'est ce qu'on nous demande de faire. Ceci pour nous voir, pour voir si est-ce qu'on a compris le test. Si on connaît les différentes parties du test, c'est pourquoi on pose cette question-là. Très facile. Et on s'arrête là où il y a point et puis c'est fini. Maintenant, la dernière question maintenant. Correct dit sentence. Sentence correction, on va corriger. Ils vont recopier une partie du test toujours avec une erreur. Et maintenant, nous, on va enlever quoi? L'erreur. In order to escape poverty, prove life. Ok? Prove life. For himself and his family, he decided to stay in Nigeria. Ouais, mais non, c'est la phrase ici. In order to escape poverty, prove life. Maintenant, à nous de voir dans le test, est-ce que c'est la même chose qu'on a dit dans le test? Nous allons d'abord savoir là où la phrase va se trouve. Ah, si on voit bien, on scrute bien le test, on voit ça ici. Ça, c'est quelle phrase avec 1, 2, 3, 4e phrase. Alors, on lit. I realized that if I had wanted to escape poverty and improve my life for myself and my family. On voit ce qu'on dit dans le test ici. On dit improve. Maintenant, quel mot il nous dit, il nous donne ici? Ils disent, in order to escape poverty, prove. Est-ce que c'est prove qu'on a dit? Dans le texte, on dit improve. Mais eux, ils disent prove. Le IM est où? Donc, voilà l'erreur. Donc, c'est les questions faites. Nous, on recopie ce que le texte dit. On laisse ça pour eux. Ouais, bon. Donc, tu fais ça et puis en même temps, tu as le point. Ça, c'est une épreuve dans la version APC. Dernière question maintenant. Sanka couldn't work for how long? Ça, c'est une question imaginaire. Une question d'imagination. Sanga couldn't work for how long? On dit, pour combien de temps Sanga ne pouvait pas marcher? Dans le test, il a parlé de ça, qu'il est parti quelque part. Et souvent, quand tu vas dans un pays étranger, qu'est-ce qu'on fait? Si tu n'as pas de papier, c'est un peu difficile. La police est à ta trousse. Et lui, il a été déporté plusieurs fois. Mais à la dernière fois où il a essayé encore, on lui a cassé les pieds. Donc il a dit dans le test que voilà, je lis là-bas, la partie où on lui a cassé le pied. Il dit one day, vers la fin, chers élèves, c'est vers la fin, sur l'épreuve. One day, they beat my legs so badly that I couldn't walk for almost a week. Hein, il dit un jour, on lui a battu, jusqu'à ce qu'il a eu mal au pied, il ne pouvait pas marcher for almost a week. Et week c'est quoi? Week c'est semaine.
week-end, fin de semaine, donc 8 cette semaine. Donc, il ne pouvait pas marcher pendant quoi? Pendant combien de temps? Pendant une semaine. Et donc, la question dit, Sangha couldn't walk for how long? Pendant combien de temps il ne pouvait, pas marcher? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, toujours, on copie seulement encore là-bas. On dit, on copie seulement là où il a dit une semaine. For almost a week. Et puis, on prend le point. Donc, voilà, chers amis, la première partie. Comme je l'avais analysé tout à l'heure sur la présentation d'une épreuve, voilà ce qu'on a fait. Très facile. Deuxième partie de l'épreuve. Linguistic competence. Là-bas, on a 6 points. Écoutez la question. Et vocabulaire. On nous donne combien de points là-bas? 3 points. Number one. Give the synonym of. Donne le synonyme de. To look like. To look like. Ça, c'est au thème 2. On a trouvé le mot là, au thème 2. To look like. Le synonyme, c'est quoi? Si tu es avec tes si tu oublies ça, tu peux fouiller ça dans le cahier, il n'y a pas de problème. Tu peux tricher, il n'y a pas de souci. Ok? Mais si tu connais ça vraiment, tu seras d'accord avec moi que the synonym of to look like is to resemble. Ok? Ressembler à quelqu'un. To resemble, to look like, to resemble. Il y a ça dans le cours. Deuxième partie maintenant. Fill the gaps with the following words. Filling gaps, on a parlé de ça l'autre fois, plus en haut. Donc ici, on va améliorer un test et on va enlever les mots dedans. À toi maintenant de faire quoi? De savoir quel mot peut aller selon les phrases. Donc, on vous donne les mots naturellement. Robbery, disrespectful, unemployed. Voilà les mots que tu vas prendre pour compléter. Robbery, c'est quoi? Robbery, c'est okay, le cambriolage. Disrespectful, ça c'est être irrespectueux. Ok? Unemployment, ne pas trouver d'emploi. Employment, être employé. Unemployed, ne pas être employé. Donc le contraire de être employé, c'est ça qui est ici. Unemployed. Alors on va maintenant compléter selon la phrase. Nowadays, many trained youths are. Je vais revenir en français pour que tout le monde puisse comprendre que c'est très facile. On dit, de nos jours, nowadays, many trained youths, de nos jours, plusieurs jeunes formés, plusieurs jeunes qui ont été à l'école, plusieurs jeunes qui ont été formés à l'école, are. Quel mot on va mettre là-bas, chers amis? Je vous rappelle les mots qu'on doit mettre. Robbery. Robbery, j'ai expliqué que c'est quoi comme cambriolage. Disrespectful. Être irrespectueux. Unemployed. Ne pas être employé. Ça dit, je suis chômé, quoi. Alors, nowadays, many trained youths are. On prend quoi? Unemployed. Ok? Voilà. Parce qu'on dit les jeunes formés ne sont pas comment? Ou bien les jeunes qui ont été scolarisés n'ont pas trouvé d'emploi. Donc, unemployed. Maintenant, they devote themselves. Ils s'abandonnent. To they devote themselves. Ils s'abandonnent en quoi? To alcoholism. Ouais. Ils se laissent aller par l'alcoolisme. Ils boivent. Prostitution. Les filles font quoi? La prostitution. Parce que quoi? Il n'y a pas d'emploi. Maintenant, ils ont cité des divers themselves to alcoholism, prostitution, maintenant. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'on va prendre? Des divers themselves to alcoholism, prostitution, point. Donc, on va citer quoi? Si on reprend les mots qu'on a, on doit compléter, robbery, cambriolage, disrespectful, unemployed. On a déjà pris unemployed. Il reste seulement deux. Il reste robbery et disrespectful. Je rappelle que robbery, c'est cambriolage et disrespectful, c'est quoi? Être irrespectueux. Donc ici, on a cité alcoolisme, prostitution, c'est le fléau, non? Donc ce qui va ajouter là-bas, c'est quoi? Robbery, parce que c'est un fléau aussi. And are, pour mon point, torrent d'apparence. Et sont, pour mon point, envers leurs parents. Et sont, pour mon point, envers leurs parents. Le mot qui reste, c'est quoi? Disrespectful, ne pas être irrespectueux. Donc ils sont irrespectueux envers leurs parents. Donc voilà un peu, ok, mais ici c'est très facile de filling gaps. Donc les mots qu'on va prendre, il faut comprendre les phrases pour pouvoir les mettre dedans. Donc chers élèves, c'est assez facile, ok, de le faire. Number 5 maintenant. Derive the verb from. J'ai dit l'autre fois qu'il faut, on va te demander de dériver les mots à travers des noms, dériver des noms à travers des verbes, dériver des verbes à travers des adverbes, ainsi de suite. Alors, poverty. Poverty. C'est quoi poverty?
voici naturellement, c'est quoi? La pauvreté. Maintenant, je vais chercher le verbe qui vient de poverty. Le verbe. Chers amis, si on vous demande de trouver le verbe qui vient d'un nom ou bien qui vient d'un mot, il faut d'abord mettre, il faut d'abord écrire tout. Parce que le verbe commence par tout. Ok, un verbe est toujours à l'infinitif. Donc, tout. Maintenant, quand tu mets tout, tu vas maintenant ajouter le verbe. Tu dérives le verbe de ce nom. Poverty, le verbe maintenant c'est quoi? To be poor. To be poor. Le nom qui vient de poverty, c'est to be poor. To be poor, être pauvre. Ok, le nom qui vient de poverty. Number 6. Correct these words. On dit corriger le mot là. Je vous ai dit ça aussi. Qu'on va te donner un mot, eux-mêmes ils vont enlever une lettre dedans et on va te demander de compléter. Il y a ça toujours quoi? Dans ton cahier. Il y a ça où? Dans ton livre. Il y a ça où? Dans le cours. Donc ils ont écrit abroad. Regardez comment ils ont écrit abroad. Abroad. A B A O D. Abroad. Est-ce que c'est comme ça qu'on écrit abroad? Non, il manque une lettre, non? Abroad. Tu le dis à l'étranger. La lettre qui manque, c'est quoi? La lettre A. Maintenant, la lettre A là va être mise où? Abroad. On met la lettre A après le O. Voilà. Abroad. Donc, on met la lettre A après le O. S'il n'y a pas la lettre A, c'est que le mot est mal écrit. Donc, abroad, qui veut dire à l'étranger. Donc, c'est un exemple. Hein? On vous donne un mot mal écrit et on vous demande de faire quoi? De réécrire ça. Si tu as suivi ton cours, tu as appris tes leçons, ce sera facile pour toi de le faire. Donc voilà les questions qui sont au niveau du vocabulaire. Et le vocabulaire, je rappelle que ça fait la première partie de quoi? De linguistic competence. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? Grammar, la grammaire. Hein? Quand je dis grammar, souvent mes élèves disent, ils commencent pas à crier. Mais la grammaire, les règles là, c'est pour nous aider à faire quoi? À bien parler, à bien écrire. Ok? Donc, c'est vrai, il y a plusieurs règles en anglais qu'il faut respecter, qu'il faut apprendre. Mais il faut juste les apprendre, il faut juste suivre le cours et puis bah, c'est assez compréhensible quand même. Alors, complete with correct words. On doit compléter avec les mots corrects. Et ici aussi, on t'a donné encore les mots. On t'a donné trois mots en parenthèse. Tu as choisi le mot qui, okay, qui convient. Donc, voilà. Clandestine immigration is very. On dit l'immigration clandestine est très. Bon. Maintenant, dans la parenthèse, on va donner trois mots. Le premier mot, c'est quoi? Dangerous. Il veut dire quoi? Dangereux. Le second, dangerously. Quand on met li, en anglais, ça veut quoi? Ça devient adverbe. Donc, ça devient dangereusement. Maintenant, troisième mot, danger. Danger, c'est le danger. Ça, c'est le nom. Donc, tu dois savoir que dangerous, c'est adjectif. Dangerous, c'est li. Qu'on ajoute li, ça devient adverbe. Et danger, c'est un nom. Je vais t'aider à savoir, à maîtriser les trois choses-là. Lorsque tu fais une phrase, par exemple, et on dit quelqu'un est quelque chose. Ça dit, le mot est en train de qualifier l'état de la chose, ou bien le mot est en train de qualifier l'état de la personne. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'adjectif. Par exemple, Kofi is. Exemple, Kofi is very nice. Kofi is very nice. Donc la question que tu vas poser pour trouver le mot nice, tu vas dire quoi? How is Kofi? How is Kofi? Donc tu vas répondre en disant Kofi is very nice. Donc le mot nice ici, c'est quoi? C'est un adjectif. Alors, ça donne l'état de qui? L'état de Kofi. Ce que Kofi est, c'est ça. Donc pour trouver l'adjectif, on pose la question comment est la chose ou bien quelle nature la chose présente. Maintenant, ça c'est pour les adjectifs. Maintenant, les adverbes. J'ai dit que pour faire les adverbes, on ajoute un ly aux adjectifs, mais c'est pas tous les adjectifs quand même. Mais on va revenir après si nous sommes devant d'autres exercices qui vont demander la fonction des adverbes. Pour faire les adverbes, on ajoute ly, mais c'est pas tout. Il y a des règles, ok, qu'il faut maîtriser. Donc, alors, pour trouver l'adverbe de ceci, l'adverbe maintenant donne la manière avec laquelle
quelque chose ne se fait. Par exemple, Kofi is eating. Kofi is eating happily. Kofi is eating happily. Kofi is eating happily. Ça veut dire quoi? Kofi hein, est en train de manger joyeusement. Donc, ly là-bas, ça forme déjà, ça montre déjà que c'est un adverbe. Maintenant, pour trouver l'adverbe, on va dire quoi? How is Kofi eating? Comment Kofi mange? Donc, Kofi mange comment? Happily. Donc, ça, c'est un adverbe. Donc, pour trouver l'adverbe dans une phrase, on pose la question, comment on fait la chose? Ce n'est pas comment est la chose. Comment on fait la chose? Pour trouver comment est la chose, ça, c'est adjectif. Adjectif, qualificatif. Les professeurs de français peuvent vous expliquer mieux. Alors, maintenant, pour trouver le nom. Le nom joue okay, une action dans une phrase. Par exemple, prostitution is a danger. Ok? Prostitution is a danger. La prostitution est un danger. On se dit danger. Pour poser la question, vous pouvez danger, vous what is prostitution? C'est quoi la prostitution? Donc la prostitution c'est quoi? Danger. Donc, si on veut connaître la nature de quelque chose, on trouve quoi? Le sujet. Ou bien le nom. Voilà. Maintenant, revenons à notre exercice maintenant. On dit, clandestine immigration is very... L'immigration clandestine est très... On prend quoi? On va prendre dangerous, ou bien dangerously, ou bien danger. Ah, ici, on va dire quoi? Clandestine immigration is very dangerous. C'est ça qui est bon. Quand il dit is very dangerously, toi-même, tu vas voir que ça ne sonne pas. Ou bien is very danger, toi-même, tu vas comprendre que ça ne sonne pas bien. Donc, est tellement, comment est, comment il est? Tellement, donc on prend dangerous. On continue. Pour des correct prepositions. Ok? Yesterday, I applied for a job. On veut trouver la position qui convient. On dit l'autre fois, ou bien hier. Et je me suis. J'ai fait une demande de quoi? Hein, on dit une demande de quelque chose. On fait une demande de quelque chose. Donc, I apply for a job. Donc, l'expression c'est quoi? To apply for. C'est l'expression to apply for. Donc, on va dire tout simplement, yesterday, I apply for a job. Donc, ce que toi tu as ajouté ici c'est for. On continue. Correct the verb in the brackets. Maintenant, on va corriger les verbes. If my sister to bring the plate, my mother would get angry. Donc, chaque point ici, ça réfère à un point grammatical qu'on a étudié en classe. Chaque point de grammaire, ça se réfère rapidement. Donc, ici, c'est quoi? C'est quel type de grammaire? If close, if my sister, if close. Et rapidement, on va se rappeler de la grammaire concernant if close. On a combien de types de if close? J'espère qu'on vous a appris trois types. Le type 1, type 2 et type 3. Quelle est la règle de type 1? Type 1, ça fait if, passing present, passing future. Donc quand tu vois le présent, tu vas chercher quoi? Le futur. Type 2, if, passing simple past, plus conditional. Quand tu vois le passé, tu cherches le conditionnel. Et le type 3, if, passing past perfect, plus conditional perfect. Donc quand tu vois le past perfect, tu dois chercher quoi maintenant? Le conditionnel parfait. Alors, revenons ici. If my sister to break the plate, my mother would get angry. Would qui est ici, c'est quoi? C'est le conditionnel. Donc, c'est un combien? Type 2. Donc, on va dire quoi? If my sister, on va mettre ça au passé. To break au passé, ça veut quoi? Broke. Donc, ça devient if my sister broke the plate, my mother would get angry. Alors, on continue. Correct the form of the verb in the bracket. To look for, immigrants are looking forward to. Ici, c'est l'expression to look forward to. On a fait ça en classe. Donc, to look forward to, lorsqu'on utilise l'expression là, la règle dit, on ajoute ing. C'est-à-dire, on met le verbe en gérante forme. On ajoute ing au verbe qui suit. Donc, là-bas, on va dire quoi? Immigrants are looking forward to having. Ok, au lieu de have, on va dire having. Parce que c'est l'expression to look forward to. Alors, fill the gaps with unless or if. Unless or if. Donc là-bas,
unless c'est quoi? If c'est quoi? If veut dire si. Unless veut dire if not, c'est-à-dire si je ne, la négation. Donc, you learn your lesson, you will not succeed. On dit, tu apprends ta leçon, tu ne vas pas réussir. Les personnes apprennent là-bas. Unless, si tu n'apprends pas ta leçon. Quand tu dis if, qui est si, tu ne vas pas comprendre. Maintenant, la dernière question au niveau de la grammaire, c'est quoi? C'est report, dit synthèse. We were present yesterday, he said. Ça, c'est reported speech. Donc, on va dire ça un peu encore. He said that he had been present the day before. Parce que yesterday devient the day before. Donc, voilà les preuves qu'on a traitées. Il est seulement la partie de writing qui a 8 points. Donc, je vous laisse analyser cette partie. Ok, le sujet à la télé, tu vois ça, tu fais ça à la maison. Prochainement, on va commencer avec ça et traiter ça avant, ok, avant de continuer. Donc, quand on dit le sujet, dit « You are a student in Form 4. After the lesson on youth employment, your English teacher asks each of the students to talk about his or her future job. In an essay of 15 lines, tell us your future job and the reason of your choice. » Donc, en français, pour vous aider, on dit durant le cours de l'emploi des jeunes, ton professeur t'a parlé, ok, des emplois que quelqu'un peut faire. Parmi ces emplois, qu'est-ce que toi tu veux faire dans ta vie, dans le futur? Dis ça et tu nous donnes les raisons de ton choix. Donc voilà le sujet que vous allez traiter prochainement, qu'on va se voir, on va corriger. Donc, chers téléspectateurs, ladies and gentlemen, I am very happy to see that you follow me till the end of the lesson. Donc, le rendez-vous est pris chaque lundi, on se voit à 17h pour le cours d'anglais. Et je rappelle que c'est M. Afekomi, professeur d'anglais. Donc, je vais laisser le plateau bientôt pour le prochain qui va passer. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et restez en notre compagnie pour que cette émission puisse progresser. Et, mesdames et messieurs, on dit goodbye.